Plaçons une boule de billard au-dessus d'un bac contenant du sable bien tassé. L'expérience peut aussi être réalisée avec une bille d'acier et de la pâte à modeler. Laissons tomber la boule d'une hauteur valant successivement 20 cm, 40 cm et enfin 80 cm. Entre deux lâchés, la boule est décalée légèrement afin que les empreintes ne se mélangent pas. Lors de la chute libre, l'énergie potentielle donnée à la boule se restitue en énergie cinétique, qui, lors de l'impact dans le bac, se convertit en travail de déformation du sable. C'est pourquoi l'empreinte la plus profonde correspond à la hauteur de chute la plus grande.